Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Poirier. Bonjour à vous, Jean-François, comment allez-vous? Bonjour Alexis, ma foi, ça va. Très bien. Je vais faire quelques propos et ensuite nous allons commencer notre émission. Alors le premier, il s'agit de Tipeee. Je remercie toutes les personnes qui m'aident régulièrement par leurs dons. C'est très bien de participer à la chaîne. Nous sommes totalement indépendants. Donc poursuivez, aidez la chaîne par de petits dons. Hein, c'est toujours encourageant. Concernant Odyssée, poursuivez votre migration sur Odyssée, car comme vous le savez, YouTube fait sauter régulièrement les vidéos. Il y en a une dernièrement qui est celle de Lucien Cerise, et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Odyssée. Donc n'hésitez pas à rejoindre Odyssée, de vous abonner. YouTube n'est pas du tout sûr, mais c'est la meilleure façon de se faire entendre d'un plus large public. Concernant Telegram, je suis très actif sur Telegram. Je fais des recensions d'ouvrages en format audio régulièrement, des petits reportages au sein des manifestations ainsi que chez les bouquinistes et les libraires de livres anciens, très important pour vous donner l'envie et le goût à la lecture. Instagram, eh bien, toujours lié à ce goût de lecture et du beau livre, je poste des photos d'ouvrages tels que ceux que vous voyez derrière moi, donc des ouvrages qui peuvent être d'exception. J'espère que ça vous donnera l'envie de lire. C'est par la lecture d'ailleurs que l'on s'émancipera. Donc Jean-François, soyez le bienvenu. Je vais faire une présentation très rapide. N'hésitez pas à me reprendre sur le propos, si cela n'est pas dans la bonne direction, si je puis dire. Donc, Jean-François Poirier, vous êtes professeur de français, donc professeur de lettres et linguiste, notamment en allemand. Vous êtes spécialisé en traduction d'allemand. Et vous vous êtes penché sur la littérature romanesque, notamment chez les romantiques. Nous avons beaucoup échangé là-dessus. Vous êtes un gros lecteur et depuis toujours. Et vous êtes aussi intéressé donc à l'art, puisque vous avez enseigné, me semble, aux arts décoratifs l'histoire de l'art. Et vous êtes intéressé notamment à un sujet qui est l'art et le passage à la religion. Et cela tombe bien, puisque aujourd'hui nous allons parler de deux auteurs, mais surtout un en particulier, puisqu'il va s'agir de Joris Karl Huysmans et de Émile Zola. Nous allons faire une sorte de parallèle et nous avons baptisé l'émission Les Foules de Huysmans et de Zola. Donc, Les Foules de Huysmans, c'est un clin d'œil à son dernier ouvrage qui était donc Les Foules de Lourdes. Et donc, vous allez nous expliquer pourquoi avoir choisi cette thématique de foule autour de ces deux personnages. C'est à vous, Jean-François. Alors, je me suis intéressé à Huysmans un peu tout au long de ma vie. Je me suis intéressé d'abord à, quand j'étais jeune homme, je me suis intéressé à la période réaliste, naturaliste. Ensuite, je me suis intéressé aux écrits sur l'art. Et puis, je me suis intéressé aussi, par la suite, disons, plus tard, aux écrits sur la religion. Hein. À partir de En route, hein, l'oblat que vous avez mentionné. Ce qui m'intéresse dans la question de la foule, qui est un thème vraiment de la littérature du 19e siècle, puisqu'on le rencontre chez Baudelaire, ce thème, on le rencontre chez Edgar Poe, sans doute d'ailleurs que ça vient à l'origine d'Edgar Poe. Si Baudelaire parle de la foule, c'est parce Traduit, qu'il a hein. lu Edgar Poe, je Et qu'il pense, a et qu'il l'a traduit surtout. et qu'il l'a traduit, oui. Et il y a deux sortes de foule au 19e siècle. Il y a la foule qui effraie les gouvernants, qui effraie la bourgeoisie versaillaise, qui est une foule inculte, brutale, sanguinaire, avinée, stupide, qui ne peut pas du tout faire de la politique. La Voilà. plèbe.
La plèbe, c'est celle qu'on massacre en juin 48, c'est celle qu'on massacre pendant la Commune de Paris. Et il y a une autre foule qui est qu'on voit d'ailleurs chez Baudelaire déjà. Hein. La foule de Baudelaire n'est pas cette foule que j'ai décrite comme ça rapidement. C'est une foule qui vous fait faire une expérience de dépersonnalisation en quelque sorte, où on se trouve être autre que soi-même. Et vous avez aussi donc chez Huysmans la foule des pèlerinages, hein, et qui n'est pas du tout une foule abrutie, violente, mais qui est une foule qui se déplace vers des lieux précis pour prier, hein, pour faire une expérience religieuse. Dans les foules de Lourdes, précisons-le. Dans les foules de Lourdes, voilà. C'est intéressant de voir que ce qui m'a captivé chez Huysmans, c'est que les foules chez lui, c'est quelque chose que, disons, il déteste pour son usage personnel. Quand il se retire dans des endroits religieux, c'est l'abbaye de Solesmes. Hein, c'est une foule. Ce ne sont pas les foules de Lourdes. C'est le petit nombre. Hein, il a écrit un livre qui s'appelle Certains. Je trouve que c'est très très bien choisi parce que ça n'est pas l'homme de la multitude. Non, non, il faut le préciser, il vivait vraiment même assez reclus, hein, là, Voilà. il avait une ancillaire. Et... Et il la multitude lui fait sûrement vivre avec dans la multitude lui aurait fait horreur. Et il a aussi, il a malgré tout une espèce de pensée, je dirais, stratégique de la foule. Il pense que même si lui n'est sans doute pas enthousiasmé par des pèlerinages de type lourde, il pense que c'est une bonne chose parce que ça respiritualise le peuple. Voilà, je crois que c'est ça. Et il avait beaucoup d'admiration pour Zola. Hein. Je crois que c'est les Sœurs Bâtard Ils se qui sont l'avaient connus, oui. dit. Il l'a dédié, enfin plus ou moins dédié, mais il a fait, on va dire pour Zola, oui, c'est les Sœurs Bâtard. Hein, c'est les Sœurs Bâtard. Oui, on va dire son premier roman naturaliste, si on peut dire. Oui, c'est ça. Et après, il s'éloigne du naturalisme, mais il a conservé quand même son admiration à Zola. Et il voit en Zola, je crois, une sorte de blockbuster, de best-seller, auteur de best-seller, un homme qui est très, très lu, contrairement à lui, qui est lu, mais pas de la même part. Pas par les foules, justement. Il y a eu des gros creux avec certains ouvrages. Il y a eu des creux de Et vague, oui. donc, il voit chez Zola quelqu'un qui est capable de créer une sorte de dynamique populaire et spirituelle. C'est ça, je crois, qui l'intéresse chez Zola. Alors, Zola voit pas les choses. Il voit pas les choses d'une manière spirituelle, hein, comme Huysmans. Mais il se dit qu'on peut comme ça se servir de Zola pour quelque chose pour une orientation religieuse et spirituelle que Zola récuserait sûrement. Voilà. Il pense ça, et donc ça, c'est une pensée stratégique.
C'est intéressant de voir, on ne l'imagine pas stratège, Huysmans. On pense que c'est un homme du raffinement, du cabinet d'artiste, quoi. Que l'on retrouve dans À rebours d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, qu'on trouve dans À rebours, on ne le voit pas tellement. Comme homme, comme stratège et encore moins comme tribun, bon, Oui, évidemment. non, absolument. Alors qu'il y a un côté tribun chez Zola. Donc, c'est cette tension comme ça, vraiment politique, et entre le goût privé qu'il a pour les monastères. Où va le petit nombre Solesmes, je crois que c'est l'abbé Munier qui lui avait conseillé d'aller Il me là. semble, oui. C'était un très bon conseiller, un très bon directeur de conscience, l'abbé Munier, et qui lui conseille quelque chose qui convient beaucoup mieux à son esthétique et à son style de vie. Oui, c'est ça qui est très important, ce que vous dites, c'est que Huysmans avait réellement une esthétique de vie. On le retrouve dans ses ouvrages. Nous parlions justement d'À rebours, Ah et oui. ensuite ça va se retranscrire même dans Là-bas, hein, qui est plus de Ah l'ordre oui, aussi. de la démonologie, si je peux appeler ça comme ça. Et on le retrouve dans ses critiques d'art, puisqu'il a fait beaucoup de critiques d'art, mais aussi dans sa dernière, donc ses derniers ouvrages qui sont une trilogie. Qui sont en route, la cathédrale et l'oblat, ou même en route, vous avez dès le début une description et un ressenti exceptionnel de l'assise du héros qui se trouve à un moment donné au sein d'une cathédrale. Et on voit toute la passion et l'amour de Huysmans pour les édifices religieux. Et je dirais aussi, j'ajouterais, je vous laisse la parole ensuite, dans les foules de Lourdes, Huysmans a été terriblement critique envers l'esthétique de la basilique qui se trouve à Lourdes. Il parle ainsi qu'elle a été plus ou moins façonnée de la main du diable. Donc, il pense que c'est, je le vois comme une erreur. Il pense que ça n'amène pas et ne facilite pas à croire du mieux qu'il puisse être à Dieu. Voilà à peu près. Vous avez raison d'insister sur cet aspect, sur le dégoût qu'il éprouve pour tout ce qu'il appelle l'esthétique sulpicienne, le Ah Saint-Sulpice, oui. c'est-à-dire le kitsch chrétien. Il trouve ça affreux, hein, c'est Voilà le. l'orientation byzantine de l'époque, hein, des nouveaux édifices religieux qui se fabriquaient. Bah, par exemple, Montmartre, hein, Montmartre. de Montmartre, de style très byzantin. Ce qui me frappe, et je l'ai vu parce que je travaille souvent avec des étudiants, souvent des étudiants étrangers, j'ai essayé de les intéresser à Huysmans. Ça les intéresse, mais pour eux, c'est d'une difficulté quasiment insurmontable, l'écriture de Huysmans, parce que en fait il est très très pétri d'écriture artiste, hein. Il a un peu l'écriture délicate, recherchée, avec des mots rares, à foison, on peut dire, qui gêne beaucoup la lecture pour des lecteurs qui ne sont pas
plongé dans l'érudition huysmanienne. Et je suis très reconnaissant aux universitaires qui ont fait un bon travail, par exemple dans les folios classiques, qui ont édité les livres en route là-bas avec des glossaires, parce que j'avoue très humblement, bon, je connais un peu cette langue, la langue artiste du 19e siècle, mais il y a énormément de termes dont j'ignore la signification. Et maintenant, ces éditions-là proposent des glossaires à la fin qui aident beaucoup la lecture. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cette... Pourquoi s'adresser à des esthètes, voilà. Pourquoi sa langue s'adresse à des esthètes? Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas la langue commune? Et c'est un peu, il est un peu dans la descendance de Baudelaire, parce que Baudelaire, a des raffinements d'écriture. C'est certain, mais il est aussi quelqu'un qui utilise la langue commune. Et Huysmans ne veut pas utiliser la langue commune. Voilà. Je pense qu'il y a une influence de gens comme Mallarmé, hein, donner un sens plus pur aux mots de la tribu, comme dit Stéphane Mallarmé. Et cette façon de purifier le langage, d'en faire quelque chose d'une beauté très construite, est quelque chose qui est un obstacle à la lecture. Ça, je l'ai vu pour moi-même d'abord, très humblement, parce que je vous dis, s'il n'y avait pas les glossaires à la fin des éditions, moi, il y a un ou deux mots par page que je ne connais pas, hein, chez Huysmans. Et alors, vous imaginez pour des étudiants, hein, bon, c'est très difficile pour eux d'aborder cette langue un peu artificielle, il faut le dire. Alors, il a, si je puis me permettre, il avait tenté quand même quelque chose. Bon, on revient sur Les Sœurs Bâtard, puisque c'était un roman naturaliste qui avait été fait dans l'optique de satisfaire Zola. Et d'ailleurs, je fais une rapide digression qui est Les Soirées de Médan. Ils ont débuté ainsi. Donc, c'était sous le patronat de Zola qui avait rassemblé plusieurs écrivains, dont Hennig, il y avait Huysmans, Zola, je crois Maupassant était dedans aussi, qui oui. rassemblait un petit peu tous les naturalistes de l'époque. Et il y avait, c'était un ouvrage composé de plusieurs nouvelles. Donc voilà pour situer un petit peu comment ils se sont connus. Ensuite, nous avons eu donc ces Sœurs Bâtard. Et dans les Sœurs Bâtard, il a tenté quand même d'écrire avec... un langage populaire. On retrouve beaucoup d'argot, notamment, et puis de toute façon, Les Sœurs Bâtard se passent dans le milieu populaire, hein, puisque c'est le milieu ouvrier. Et il s'est tenu. Après, il s'en est détaché progressivement, parce que ce qu'il faut savoir chez Huysmans, ce qui est important pour le situer, contrairement à Zola, qui avait toujours la même ligne, hein, Huysmans a flirté avec différents courants. On a eu le symbolisme, on a eu le naturalisme très présent, on a eu. Tout ce qui était lié aussi au satanisme, donc avec là-bas. Nous avons eu à rebours, qui est quand même un ovni, si je puis dire, et qui a déçu Zola. Je pense que la scission entre ces deux personnages, elle s'est opérée à partir d'à rebours. À rebours n'a pas été compris, pourtant ça reste un chef-d'œuvre exceptionnel. Et la fin de sa vie, donc, qui était orientée sur le religieux, le transcendantal, Et c'est de là que Zola, enfin Zola, excusez-moi, Huysmans a terminé son cheminement. Pour rebondir, vous parliez aussi on avait discuté du retour au catholicisme, voilà, de bon nombre d'artistes et d'écrivains, donc dans les débuts de la Troisième République, qui elle célèbre donc la laïcité, voire l'athéisme. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est d'après vous,
Est-ce qu'il y a eu une influence conséquente de la part de ces auteurs, donc Zola très certainement, mais aussi de Huysmans, concernant donc ce retour au religieux, puisque Zola, lui, n'a jamais été religieux, il a écrit sur Lourdes, c'était plus, on va dire, une sorte d'étude de mœurs sur Lourdes, comme il en a fait tant d'autres, Oui, des c'est reportages, la sociologie la religieuse. sociologie à la Zola. Mais d'après vous, est-ce que ces auteurs, hormis Zola, qui sont revenus donc aux religieux, ont pu avoir une influence sur le public? Dans cette période donc de Troisième République qui était très maçonnique, très laïcarde, très athée, hein. Évidemment, c'est difficile à dire, mais il semble que oui, il semble que le grand initiateur de tout cela, de ce mouvement, on dit habituellement, les historiens de la littérature disent que c'est Ernest Hello. Hein, mais Ernest Hello, qui alors là est encore beaucoup moins lu que que Huysmans, hein, c'est vraiment c'est pas certain, c'est le très petit nombre, c'est Millon qui avait fait des rééditions de ces textes, alors qui entraîne sûrement des gens comme Blois et comme Léon Blois et comme Huysmans vers la religion. Alors, il semble que il ait eu dans les milieux littéraires et artistiques de son époque, qu'il ait eu une influence, hein, que pas mal de gens se soient convertis ou se soient orientés vers la religion à la suite de la lecture de ces livres. Je vous parlais comme ça dans les jours qui ont précédé cette émission, on parlait d'un certain Dulac, Oui, qui était un artiste. peintre que Huysmans aimait beaucoup, qui un jour s'est présenté chez lui et qui lui a dit: je suis Dulac, je suis un peintre et j'ai vu ce que vous écriviez de moi dans vos livres, voilà. Et je pense qu'il a eu une influence quand même, disons peut-être souterraine, hein, pas sur le premier plan de la scène littéraire. Ce qui est au premier plan de la scène littéraire des années 90 en France, des années 90, 1910, il meurt en 1907, c'est Gide et Valéry, hein, c'est ça, ce qui est au premier plan. Donc, pas du tout cette forme Oui. d'écriture orientée vers la religion, pas du tout. Non, et puis Voilà, Gide, c'est ça qui tient le devant de la scène, hein, ah oui, à à cette l'époque, époque-là. Gide qui a eu quand même une influence énorme hein, lorsqu'il était chez Gallimard pour positionner certains auteurs, certains nouveaux auteurs, dont Il a tenu le devant de la scène oui. de 19 à 81 ans. Hein. Il a été tout le temps, hein, sur le devant de la scène. C'est un des personnages principaux de la scène littéraire. Voilà. Et donc, ça laissait un peu dans l'ombre des auteurs comme Huysmans, je pense. Alors, il y avait l'observation donc, sur la foule donc, qui est à un moment où, avec le triomphe du parlementarisme pardon, et du système de désignation de représentants par le corps électoral, la foule devient un personnage politique. Alors, Ah comment oui. vous voyez la chose, la foule en tant que personnage politique? Bah, elle, à partir du moment où on pratique le suffrage de moins en moins censitaire et de plus en plus universel, hein, même si il faut attendre 45 ou 46, je ne sais plus, pour que les femmes
et le droit de vote, mais tout le monde va avoir progressivement le droit de vote. Et donc, la foule est courtisée par les politiciens. C'est aussi l'époque des tribuns. Ça commence sans doute à la Révolution française, hein, le règne des tribuns. Et il n'est pas entièrement terminé, ce règne, je crois. Il y a toujours des tribuns, ou en tout cas des gens, des politiciens qui s'essaient à l'éloquence tribunicienne. Alors, cette foule dont on essaye de capter les faveurs, ce n'est évidemment sûrement pas la foule dont rêve Huysmans et qui se rend à des pèlerinages, hein, et qui assiste parfois à des apparitions mariales, par exemple. C'est une foule, comment dire les choses bien, c'est une foule qui s'homogénéise, hein, et on essaye de rassembler, les tribuns essayent de créer de l'homogénéité dans la foule. Et ça s'oppose au fond à une autre conception de la foule. Par exemple, je vous parlais de Jacques Rancière, qui a beaucoup écrit sur l'opposition entre l'ochlocratie et la démocratie, c'est-à-dire que l'ochlocratie, c'est la foule qui se réunit, oui. Voilà, le bas peuple, hein, la ville multitude, et la démo qui est que lui voit, que Rancière voit par exemple comme quelque chose de propre aux dictatures, hein, c'est-à-dire une masse qui s'unifie contre un ennemi qui va corrompre la belle unité du peuple. Ça, c'est ce qu'il voit arriver dans les dictatures du XXe siècle. Et puis, la démocratie, que lui, il voit de manière comme une division. C'est le peuple qui se réunit, qui s'affirme, et aussitôt, pour se diviser, c'est-à-dire entrer en conflit autour de la définition même du politique. C'est ça qui m'intéresse d'un point de vue de théorie de la politique de la foule. Il y a cette fameuse phrase de Mallarmé qui dit « faute que la foule se déclare, hein, si la foule ne se déclare pas, on ne peut pas faire grand chose. On peut faire uniquement, voilà ce qu'a fait Mallarmé, hein, c'est-à-dire une littérature qui ne peut pas être accessible sans médiation. Voilà. Donc il y a cette attitude, pardon, ambivalente des artistes à l'égard du peuple, donc, qui est « j'aime le peuple de tout mon cœur, mais l'idée de vivre avec lui me fait horreur ». Donc ça, c'est la vie d'Henri Brûlard de Stendhal. Oui, ça m'avait beaucoup frappé. Ben, je crois qu'ils étaient nombreux comme ça, hein, à être ceux qui vouaient un culte au peuple, n'aurait pas pour autant facilement accepté de vivre avec lui. Et ce qui m'a touché aussi chez Huysmans, c'est que il vivait avec il a vécu avec une femme du peuple, hein. Oui. il a vécu avec une couturière, je crois.
Oui, Meunier, Anna Meunier, je crois. Je crois que c'est la seule qu'on lui ait connue, hein, d'ailleurs. Il n'était pas connu pour être un homme à femme. C'est la seule femme qu'on lui ait connue. Ah oui, c'était pas un libertin, ça Ah c'est non, 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 sûr. non, non, non. C'était quelqu'un qui restait vraiment cloîtré. Il était au milieu de ses Ah livres, oui. de ses écritures. Faut rappeler que c'est un fonctionnaire à la base, hein. Comme au passant d'ailleurs, ils ont écrit, ils ont produit durant leur temps mort, durant leur travail, la plupart de leurs écrits, hein. Alors, j'ai étudié un peu ces questions-là, comme ça pour mon instruction personnelle. J'ai l'impression que c'était les ancêtres des emplois fictifs. Hein. Les bullshit jobs, comme on dit aujourd'hui, comme avait théorisé David Graeber, bien son Les âme. jobs, je ne sais pas ce que c'est exactement, C'est ça, mais. ce sont des de sortes de travail, de postes qui sont parasites, qui ne servent à rien, que l'on retrouve dans le tertiaire aujourd'hui. Vous savez, des sortes d'intermédiaires, d'intermédiaires, d'intermédiaires. Vous savez, au lieu de faire une jonction directe entre un poste et un autre, il y a toujours plein d'intermédiaires entre les deux. Dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle plus ou moins du bullshit job. Ah oui, mais là, ils font quelque chose quand même, tandis que les emplois Lui, non. fictifs, on fait rien, quoi. Il était dans son bureau, je ne sais plus si c'est le ministère de la Guerre ou de l'Intérieur, je crois que c'était le ministère de l'Intérieur, et il écrivait toute la journée quand même. Hein. C'était le cas de Maupassant, donc contemporain, mais Ah oui. Il y a eu Gustave Geffroy aussi qui a Oui. beaucoup écrit sur Monet, sur les impressionnistes. Clémenceau lui avait donné un poste qui lui donnait tout loisir de s'adonner à ses chères études. Hein. Je pense que c'était ça quand même le cas de Huysmans. Et c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que il y a eu aussi dans sa vie une foule, c'est la foule de ceux qui l'ont conduit à sa dernière demeure, parce que il vivait, c'est rue Suger, je crois, Oui, non, rue Suger, oui, dans le sixième. dans le sixième, je crois qu'il vivait là. Enfin, alors attendez, il est né là-bas, mais en réalité, il était rue de Sèvres. Il était non loin de. Il a terminé là-bas, il était rue de Sèvres. Rue Il y Suger, a des c'était plaques, son je enfance. crois, sur les immeubles pour Oui, il y en a. indiquer. Et donc, il était très connu pour sa très grande générosité avec les humbles, les malheureux, et il ne laissait jamais une sollicitation, une demande d'aide sans réponse. Ce qui est très catholique, hein, chrétien. Le petit peuple de Paris l'a accompagné massivement à sa dernière demeure. Hein. Ce sont des milliers de gens qui ont suivi C'est fou quand même, hein, parce que c'est. son cortège et qui n'étaient pas ses lecteurs. Hein. On a dit que le peuple, pour Victor Hugo, c'était ses lecteurs et ses électeurs. Là, ça n'était pas ni ses électeurs, ni ses lecteurs, hein, à Huysmans. Il a eu donc des obsèques, au fond, très, qui étonnent pour un homme qui était un lettré élitiste. Hein. Il faut dire qu'à l'époque, Paris n'était pas le Paris d'aujourd'hui, de 2021. Il y avait à peu près un quart d'ouvriers à Paris. Hein. Quand il meurt en 1907, il y a un quart d'ouvriers. C'est-à-dire à peu près 450 000, d'après ce que je crois, 450 000 ouvriers, pour faire un peu de sociologie de la ville. On voit que Paris a beaucoup changé de ce point de vue. C'est un signe, hein, on peut dire, sur On l'accompagnement peut de cette population jusqu'à sa dernière demeure. peut-être un peu revenir
sur là-bas, qui est un Oui. livre étrange, et qui, je l'ai lu, je voulais le relire pour l'émission, puis j'ai pas eu le temps. Bon, il faut le situer, c'est vraiment un roman Pas très entre longtemps. symbolisme et satanisme, donc ça traite de satanisme Voilà. dedans. Voilà. Voilà. J'ai lu, bon, il y a 30 ou 40 ans, quoi. Et je ne l'ai pas relu depuis. Et je crois qu'il y a le personnage de Gilles de Rais, hein, dans ce livre, Me hein. semble. Donc, J'ai lu il y a longtemps aussi. c'est vraiment du satanisme, hein. Et il y a le satanisme chez Huysmans est à rapprocher du satanisme chez Baudelaire. Je crois que l'influence de Baudelaire Elle l'a est été. massive, est déterminante, hein, parce que Baudelaire appréciait beaucoup le marquis de Sade, et il l'appréciait pas comme un modèle à suivre, hein. Il ne pensait pas qu'il fallait faire dans la vie ce que le marquis de Sade décrivait dans ses œuvres. Mais ce qu'il appréciait chez lui, c'était qu'il témoignait de la corruption de la nature, hein. Que la nature est corrompue et que ça plaidait pour la religion, parce que la religion nous éloigne de cette nature corrompue, hein. Je crois que c'est tout le thème du péché originel, hein, qui est très apparent dans l'œuvre de Baudelaire, et qu'on retrouve également dans l'œuvre de Huysmans. Alors, c'est curieux quand même qu'il se soit attaché à ce moment-là à ce livre. Alors, est-ce que ça a été. Parce qu'il a très bien marché, hein, il faut savoir. Je crois qu'il fait suite à Rebours, il me semble. Et en rade, qui a été vraiment tentative de retour vers le naturalisme et aussi il y a du symbolisme dedans, et qui a fait un bide, si je puis dire. C'est pas du tout vendu, mais là-bas, c'est un ouvrage qui a eu quand même du succès, hein, il me semble. Ah oui, il a eu du succès, hein. Certains de ses livres ont eu un succès important, hein. À Rebours a eu ce succès, mais beaucoup plus tard. D'ailleurs, 20 ans après, il a préfacé plutôt son propre ouvrage pour une sortie, une nouvelle édition même qui était augmentée d'illustrations. C'était Auguste Leroux, je crois, qui avait gravé, que je possède d'ailleurs, qui est un magnifique ouvrage. Mais ce succès a été vraiment en retard, hein, pour À Rebours. Mais certains, comme là-bas, donc, qui traitent de satanisme, a vraiment bien marché. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec Huysmans, il se met toujours en scène, hein, derrière ces personnages, que ce soit des Hyacinthes ou j'ai oublié le nom dans la trilogie plus ou moins ecclésiastique à la fin. Et Hurtal, non? Durtal, voilà, c'est ça. Et on voit son cheminement. Tout le cheminement de Huysmans, oui, est à livre ouvert, si on peut dire. Toute sa vie est au travers de ses ouvrages. Alors, on parlait aussi donc. Du passage de la religion à l'art et à la religion tout court aussi, donc qui Plutôt s'est de produit, l'art voilà, à la religion, voilà la c'est ça, qui s'est produit religion à de là-bas l'art à la et dans En route. religion. Donc, vous parlez notamment des surréalistes, on avait discuté qui aimait Huysmans, notamment André Breton, qui disait d'ailleurs qu'il avait perdu à partir de En route. Alors, d'après Ah vous, oui, pourquoi parce ça. disait-il cela, Breton? Ah bah parce qu'il était. Moi, je le sais, mais pour les auditeurs, disons. Ce qu'on appelle familièrement quelqu'un qui bouffait du curé, voilà. Bon, c'est comme ça qu'on disait quand j'étais petit. Il bouffe du curé, celui-là. Voilà, bon, c'est ça qui
qui évidemment indispose André Breton et les surréalistes qui sont des athées militants, quoi. Je crois que c'est ça qui leur a répugné, hein, dans l'évolution de Huysmans. Je voulais vous parler aussi de, puisqu'on parle de Breton qui aimait Huysmans, qui parlait de Huysmans, on en avait discuté, c'était de Michel Houellebecq. Parce que Michel Houellebecq, dans Soumission, qui est sorti maintenant, je pense, 4-5 ans, a traité de Huysmans, même si c'est pas de, si ce n'est pas la thématique du livre en question, a traité de Huysmans au travers de certains personnages bibliophiles, amoureux de Huysmans, et de son personnage principal qui est un universitaire et qui connaissait très bien Huysmans et de Nerval, ce genre de personnages, et en vérité qui ne sont que Houellebecq lui-même. Je sais que ça vous a irrité profondément cette Oh, pistrerie de la part de Houellebecq. ça m'a pas irrité profondément parce que je ne l'ai pas lu, hein, son livre. D'accord. Je n'en ai lu aucun, je peux vous dire, je peux l'avouer. J'avais peut-être le premier, un de ses plus connus que j'avais lu. Particules élémentaires, peut-être. Voilà, je n'en garde à peu près pas aucun souvenir. Oui, ce qui il y a, disons que je ne sais plus qui disait ça, un critique qui disait qu'il y avait un mélange de sublimité et de trivialité dans l'œuvre de Huysmans. Alors, bon, je pense qu'il y a chez Houellebecq, il a pris le parti de dire surtout des trivialités, c'est-à-dire, d'après ce que je vois des choses que j'ai feuilletées, hein, c'est du feuilletage, ce n'est pas de la lecture que j'ai faite de Houellebecq. Il a choisi une solution qui est en germe dans beaucoup d'auteurs du 19e siècle et même chez Balzac, on peut dire, qui est que le sordide nous rapproche de la vérité. Voilà. Quand il ne sait pas comment boucler un roman ou une nouvelle, Balzac, il a recours à ça, hein, un truc bien, bien sordide qui lui permet de ficeler Meuble, son ouvrage. Voilà. c'est pour Et meubler. le sordide vaut vérité. Je ne pense pas du tout que ça soit une bonne orientation esthétique. Je crois que le sordide n'a rien à voir avec la vérité. Surtout que dans Soumission, on se demandait un petit peu. C'est un roman qui. Il y a un parallèle, hein. Il y a d'un côté, on sent qu'il a envie de traiter de Huysmans parce qu'il aime l'auteur, hein. Ça se voit, ça se ressent. Et puis, de l'autre côté, la thématique qui était abordée, notamment de l'islamisation de la France au travers d'un président musulman qui était fraîchement élu en France. Donc, ça avait fait du bruit. Disons que moi, ce qui m'a le plus arrêté, c'était sur la partie Huysmans, étant un Oui, auteur. la bonne chose, c'est comme Huysmans avec Zola. Il faut se servir de Houellebecq comme d'un blockbuster, puisque tout le monde en parle et tout le monde le lit. C'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, il a fait connaître Huysmans à des gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Et donc, il faut se servir de tout, hein, pour avoir une pensée stratégique. S'il peut nous faire, si sa célébrité peut faire qu'on s'intéresse de nouveau à Huysmans, c'est plutôt c'est une bonne chose, quoi. On avait aussi une question qui m'intéressait, notamment, bon, Zola, on connaît ses positions sur Dreyfus. Sur Huysmans, on les connaît moins, mais je m'attache à un écrit de Léon Blois, je m'accuse, concernant Émile Zola, où
Le vitupère, il rugit, il insulte Zola de long en large durant tout l'ouvrage, qui est un excellent pamphlet, hein, et qui a poursuivi, même d'ailleurs, je crois que c'était Cochon-sur-Marne, je ne sais plus lequel de partie de ces journaux, où il insultait copieusement Zola après sa mort. Traité de vieille charogne, de saloperie, je crois que c'était les termes de Léon Blois. Je ne sais pas, Huysmans, où il se situe par rapport à l'affaire Dreyfus. Est-ce qu'il a été... dans toutes les biographies de Huysmans, je n'ai jamais trouvé la réponse à cela. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose là-dessus? Disons qu'il n'a rien dit, mais qu'il n'en pensait pas moins. Oui. Je crois que c'est ça qu'on peut dire. Le rapport, je pense à ce que vous dites sur Léon Blois. Dans une lettre à Léon Blois, que j'ai lu ça, des lettres éparses, hein, j'ai lu des correspondances, mais je ne suis jamais plongé dans sa correspondance. Il dit à Léon Blois: vous êtes un sous-Veuillot et moi je suis un sous-Zola. Donc il avait une. Il était. Et son autobiographie qu'il a signée du nom d'Anna Meunier le montre. Il avait une conception assez modeste de son rôle littéraire. Il n'a pas du tout la pose du grand écrivain, qui est incarné évidemment superlativement au XIXe siècle par Victor Hugo. Il n'a pas du tout la pose du grand écrivain. C'est pas du tout c'est pas du tout sa façon d'être. Et le grand écrivain à la Hugo, eh ben, il prend des positions politiques, il suit l'actualité, il intervient, il se fait le porte-parole, il est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, hein. Il écrit des pamphlets, et Huysmans n'a pas du tout, ne refuse cette posture du grand écrivain guidant le peuple, et il met peu son grain de sel dans l'actualité politique. On peut même dire pas du tout. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. L'actualité politique ne l'intéresse pas. Ça me semble. C'est ça que je peux dire, oui. Il ne prend pas la posture. Du tribun, justement, on parlait de tribun tout à l'heure, c'est pas du tout son. C'était pas un homme éloquent, il était plutôt renfrogné, très, très, très renfrogné. Bougon, très. Parlant peu. C'est ce qui est curieux d'ailleurs, parce que, comme vous dites, bougon, renfrogné, et comme on l'a dit tout à l'heure, durant donc, sa mort, donc son dernier chemin vers le cimetière, la foule s'est déplacée en masse. C'est ça qui est... Ah oui, ça m'a beaucoup, ça me frappe beaucoup, oui. Parce que lorsqu'on lit sur Huysmans, c'est vrai, c'est... Et il a eu... C'est qui en ressort, donc pourquoi les gens l'auraient suivi? Ils n'étaient pas... Il a eu aussi, peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils avaient eu vent de son agonie, puisque... Il est mort d'un cancer de la mâchoire. Il a refusé les soins médicaux, c'est les ça. Calmants, l'opium, le laudanum, bon, qu'on utilisait quand même déjà beaucoup, hein, pour atténuer les souffrances. Et il disait que ces souffrances étaient, c'est très christique comme attitude, c'était pour... libérer d'autres de leurs souffrances. Hein, ils souffrent à la place d'autres. C'est une démarche qui n'est pas publicitaire du tout. Ce n'est pas un homme de la publicité. Ce n'est pas un homme du tapage. Alors qu'à son époque, il y a beaucoup d'écrivains, d'artistes qui font du tapage. Hein. Ça ne manque pas. Non, ça ne manquait pas. C'était prolifique. Hein. C'est une belle époque. Ah oui. Et lui n'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure
Est-ce que Huysmans, lui, était proche du peuple? Est-ce que Zola l'était? Alors, moi, je vous ai dit que j'étais de formation linguiste et ce qui m'intéresse, mais un peu me chagrine aussi, c'est cette langue extraordinairement difficile, extraordinairement compliquée. Alors, pourquoi est-ce qu'il a voulu pourquoi est-ce qu'il a adopté une langue aussi complexe et qui l'empêche d'avoir un vaste lectorat, quoi, un vaste public? C'est un peu un mystère. Je ne comprends pas. Parce que, vous voyez, quelqu'un comme Baudelaire, Claudel disait que qu'il avait mêlé l'or pur racinien et le style journalistique de son époque. Alors, j'ai beaucoup plus lu et travaillé sur Baudelaire que sur Huysmans. Chez lui, il n'y a pas du tout de complaisance à l'égard du style journalistique. Et c'est quand même, c'est peut-être une des limites de Huysmans, parce que si on prend pas, si on n'adopte pas le style journalistique, comme l'a fait souvent par exemple Balzac, ou comme le fait Baudelaire, alors personne ne vous entend aux deux sens du terme, hein, de l'écoute et de la compréhension. C'est un peu pour ça que c'est pas une réserve, mais je pense que c'est difficile de se servir de Huysmans aujourd'hui. Bah, je suis content que Houellebecq l'ait fait, comme ça nous permet de reparler un peu d'une actualité Huysmans. Il y a quelque chose qui m'a intrigué, on pourrait terminer là-dessus, c'est la publication en Pléiade Oui. des œuvres pas du tout complètes de Huysmans, puisque ça va jusqu'à En route compris, mais l'éditeur, c'est un certain monsieur Jourde, je crois. Qui est critique littéraire, a évacué, écarté tous les textes Cathédrale, l'Oblat et Oui. Foule de Lourdes. Oui. Oui, on sait pourquoi. Bah, oui. En même temps, bon, je sais pas. Oui, je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Par une Faudrait voir le certaine. positionnement de ce monsieur. Je ne Ça le connais expliquerait ça. pas, alors. En tout cas, je pense qu'il faut le lire dans sa trajectoire. Il faut bien voir d'où il vient esthétiquement, littérairement, et jusqu'où il va. Sinon, on ne comprend pas sa démarche, on ne comprend pas son personnage. Voilà, et il disait que il avait une spiritualité un peu nordique. Il y avait des gens de sa famille dans des couvents de Hollande. Voilà, parce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est moitié hollandais de par son père et sa mère était française. Voilà. Voilà à peu près pour. Oui. Vous avez signalé, bon, je ne sais pas si vous le mettrez en description, la biographie de Patrice Lokman chez Bartilla, Joris Karl Vous Huysmans, pouvez nous Le la forçat montrer à de la vie. l'écran? Alors, Vous comment on l'avez sous fait? la main? Oui, hein, comme ça. Oui, très bien. Voilà. On pourra la mettre Et il a fait aussi, en. Patrice Lokman, une très bonne anthologie des textes de
C'est bien là, comme ça? Oui, très bien. Non. À Paris. Je risque Carl Weissmans à Paris. Ah, c'est très très bon. C'est excellent. C'est un universitaire, un chercheur, je crois, qui fait un excellent travail sur. Il fait un excellent travail sur. J'ai moi de mon côté Ernest Cellière, donc Joris Carl-Huysmans chez Grasset. Donc ça, c'est beaucoup plus vieux. Hein. Donc c'est très succinct, c'est brodé par rapport à ses œuvres. Donc voilà comment c'est présenté. Donc c'est plus Huysmans au travers de ses œuvres. Donc et puis ses œuvres sont révélatrices de son cheminement et de ce qu'il était. Personnellement, je possède énormément de livres sur Huysmans, puisque j'avais fait l'acquisition d'une bibliothèque d'un bibliophile huysmansien, et il y avait des ouvrages exceptionnels. Alors là, je peux vous présenter par exemple une édition originale donc des Sœurs Bâtard, que nous parlions tout à l'heure, qui était dédiée Ah oui. à Zola, avec un envoi, donc une dédicace de Huysmans à l'intérieur. Donc il y avait une très belle signature. J'en ai une autre sur donc l'Oblat, hein, qui est son dernier roman, donc qui est aussi une édition originale. Et pareillement, donc une dédicace de Huysmans. Et nous parlions de Zola et de Lourdes, puisqu'il s'agissait surtout Ah oui. lorsqu'on traite de Lourdes. Une édition aussi originale de Lourdes, d'Émile Zola, donc avec une magnifique reliure, comme vous pouvez le voir. Et celle-ci, cette édition est agrémentée d'un envoi d'Émile Zola, qui était pour un journaliste de droite. Donc ça m'avait beaucoup amusé. Donc voilà à quoi ça ressemble une dédicace d'Émile Zola. Voilà pour la gourmandise, comme dirait notre ami Jonathan Sturel. Alors, cette édition dont je vous ai parlé Oui. en route, qui est Avec les faite glossaires. par Madame Dominique Millet. Alors, il y a des notes et c'est un glossaire qui est bien utile parce que il y a beaucoup de vocables qui ont entièrement disparu, et qui étaient d'ailleurs sans doute fort peu utilisés à l'époque aussi. Il y avait peu de gens qui connaissaient ces vocables. Très bien, Jean-François. Eh bien, nous arrivons au terme de notre échange. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un grand plaisir de pouvoir parler de Huysmans. Puis ça, c'est une sorte de récapitulation de ma vie, puisque j'ai relu beaucoup de choses de lui et sur lui pour cette émission. Donc, depuis les romans réalistes, naturalistes, aux textes sur l'art et aux derniers livres empreints de religion. C'est ça. Eh bien, je vous remercie. Puis on aura certainement l'occasion de refaire quelque chose ensemble, si vous le souhaitez, puisque nous avions Ah, parlé d'autres volontiers. auteurs, des romantiques. Nous avions parlé aussi de gens comme Balzac, hein, Ah, de mon cher Balzac, oui, voilà, nous avions évoqué j'en fais certaines une personnes. lecture suivie. Hein, Ouais, Billy d'Isle-Adam, ça pourrait être Jules Barbet de oui. Brinvilliers, Rémy de Ah. Gournay, j'en passe un pour. Nous verrons à ce moment-là de. Mais je ne suis pas fixé sur les auteurs conservateurs. Hein, j'aime beaucoup Jules Vallès aussi. Oui, Jules Vallès, c'était l'enfant, c'était ça, non, comment s'appelle son Alors, livre? il y a Une trilogie. l'enfant, Oui, l'enfant, oui. l'étudiant C'est ça. et l'insurgé. Alors, je trouvais ça assez lourd comme écriture, l'enfant. J'ai trouvé ça peu Mais limpide. l'insurgé, c'est beaucoup moins lourd. Oui, mais l'enfant, oui, c'est vrai. J'ai un coffret avec les trois ouvrages, je crois, illustrés. Oui, Jules Vallès, moi. Jules Vallès était franc-maçon, je crois d'ailleurs. Hein. C'était un vrai. Ah, oh, ça, alors là, je n'en sais absolument C'était rien. un vrai de la troisième, hein. Comme tant d'autres d'ailleurs. Il était surtout communard. Hein. Oui, c'est vrai. Il a été communard et quand il est rentré chez lui en France, dans son pays, il était en exil à Londres. Il a eu une vie extrêmement difficile. Bon, vous dites qu'il était franc-maçon, ils ne l'ont pas beaucoup aidé, hein, en tout cas, Non, d'après non, les. il l'avait été, j'avais fait quelques recherches. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein, vous savez. D'après la biographie de ces derniers, d'après le récit de ces derniers jours, il n'a pas été
aidé par les élites de la Troisième République. On a quelques personnages comme ça qui ont flirté avec les loges et qui sont plus aidés aujourd'hui. Je ne citerai pas de nom, ils savent qui ils sont. Très bien. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à vous, Jean-François Poirier. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.